Dans le cadre de ce magnifique salon Rétromobile 2018, nous avons une rencontre avec un grand carrossier qui est une adresse prestigieuse de Paris, avec Thomas, qui prend la succession depuis de nombreuses années d'André Lecoq. Alors, en quelques mots, André Lecoq. Alors, André Lecoq était un carrossier qui était vraiment connu dans les années 70. Il a commencé son activité en 63 à Saint-Ouen, dans le bassin parisien, et il a évolué dans la réparation du polyester, puis petit à petit la restauration de véhicules de collection, dans laquelle il s'est fait un nom. Grand carrossier de la région parisienne et donc grand carrossier à la française. Au fil des années, son entreprise a évolué, s'est spécialisé petit à petit dans les années fin d'année 90 dans la réparation des véhicules haut de gamme et en aluminium. Et là, la nouvelle ère de Lecoq avait quand même démarré avec cette activité de véhicule de prestige. Voilà, pour citer l'homme, c'était un passionné d'automobile qui nous a quittés en 2002. Et nous avons... quitté en 2012. Et nous avons donc repris, nous, l'entreprise en 2006, alors qu'il avait arrêté de travailler en 2002. André Lecoq était vraiment un savoir-faire. Alors je pense que vous, en ce moment, vous succédez à votre papa, Max, et vous reprenez le flambeau, si je puis dire. Alors exact. André Lecoq, oui. Votre papa et vous, ça fait beaucoup hein, pour le savoir-faire. Ben, c'est vrai que, en fait, nous, on est issus d'une famille de carrossiers, la famille Alumi du groupe Albax, et je succède à mon père Max qui était là pour le rachat, pour la mise en place et les débuts de la restructuration de la carrosserie Lecoq. Et donc, nous avons pris le temps d'apprendre d'André Lecoq avec notre expérience, celle de mon père, celle de anciennement mon grand-père qui était déjà carrossier, mon arrière-grand-père. Donc c'est une vraie histoire de famille qui continue une histoire de famille. Donc c'est plus la même, nous c'est la famille Alumi du groupe Albax et on essaie en tout cas de faire en sorte que ce nom, Carrosserie Lecoq, André Lecoq, et que sa mémoire puisse perdurer avec une qualité, un savoir-faire traditionnel à la française. Alors il me semble que sur le stand, l'entreprise Lecoq, vous avez aussi un autre membre de votre famille. Ah ben on en a même deux. On a mon oncle, donc petit frère de mon père, qui s'occupe lui de PACA et de notre nouvel établissement, Lecoq Riviera, basé dans le bassin d'origine du groupe Albax, c'est-à-dire la Côte d'Azur. Et mon petit frère à moi, Bastien, qui a rejoint l'entreprise il y a 7 ans maintenant et qui petit à petit commence à nous rejoindre sur l'activité Lecoq. Jusqu'à présent, il était chez Albax. Une restauration prestigieuse actuelle? Une restauration prestigieuse? Ou simple, soyons plus simples peut-être. Qu'est-ce que vous attendez par prestigieuse? Oh ben, l'auto. Là, je vois, vous êtes au pied d'une magnifique Porsche. 356 Speedster. Derrière nous, on a un 2,2 litres, 2,4 litres Porsche. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de 275 GTB Ferrari, des 330 GTC qui sont assez prisés en ce moment. Donc, on a de très belles autos. On a toujours la chance de fréquenter toujours ces belles autos et de les restaurer pour les rendre encore plus belles. Alors maintenant, vous avez une nouvelle installation qui est près de Beson, il me semble. Donc, c'est une avec atelier de peinture, de restauration, de carrosserie, taulier, etc. Et cellier peut-être aussi? En fait, depuis 2010, nous avons déménagé l'entreprise Lecoq, historiquement basée à Saint-Ouen, et nous nous sommes installés dans un atelier de dernier cri à Beson, en périphérie de Paris, très proche. Et du coup, nous avons pu faire un atelier vraiment de plein pied, totalement dédié à la réparation de véhicules de prestige, avec un atelier carrosserie moderne, aluminium, dédié aux supercars. Et ensuite, un atelier pour la restauration, vraiment un atelier classiqué, avec une partie service mécanique, un atelier de motorisation, un atelier de sellerie, comme vous venez de le dire, et un atelier de préparation, peinture, finition de plus de 1100 m² juste pour cette ère-là, donc qui nous permet de faire vraiment la restauration, la reconstitution des fonds en peinture, la préparation traditionnelle, la peinture et la finition des véhicules en poly lustré.
Une question un peu impertinente, quels sont vos critères maintenant de choix pour trouver des apprentis, puisque maintenant il y a un objectif dans le nouveau gouvernement de promouvoir les apprentis. Alors, est-ce que vous recevez des apprentis ? Alors, nous, ça a toujours été notre fer de lance historiquement dans le groupe Albax. Et depuis qu'on a repris la carrosserie Lecoq il y a 12 ans, ça a été de former des jeunes pour transmettre ce savoir-faire. Et donc, on a toujours intégré entre 4 à 6 jeunes par an. Aujourd'hui, on continue cette démarche avec un petit peu moins d'intensité parce que certains, on les a embauchés, donc après, on ne peut pas non plus pousser les murs. Et le but, c'est de les embaucher. Donc, c'est aussi une joie de pouvoir arriver jusque-là. Et donc, on fait dans tous les métiers de la restauration et du supercar, normalement, un maître et un jeune qui se fait former. Quels sont nos critères ? Des jeunes passionnés, premièrement, c'est évident. Des jeunes qui ont quelque part un petit peu ça dans le sang et donc ce côté artiste aussi dont on a besoin dans ces métiers assez particuliers qui demandent énormément de précision, de minutie, de patience. Donc il faut un petit peu tout ça, cette alchimie et aussi beaucoup de travail en équipe parce que mine de rien, rien que sur Paris, on est 35 personnes, carrosserie moderne, carrosserie ancienne, peinture de la préparation à la finition, c'est assez complexe. Donc il faut des gens qui aiment bien travailler en équipe pour qu'il y ait une bonne alchimie. Votre point de vue sur ce Rétromobile 2018 ? Malgré les intempéries, je vois que là, on a beaucoup de gens qui sont venus. On a une journée aujourd'hui qui est très, très vive. Très vive, on le voit derrière moi, il y a beaucoup de monde. C'est vrai que les deux premiers jours ont été un peu calmes, mais bon, Paris était condamné, donc on fait avec. Et je pense que là, d'ici ce week-end, on risque d'avoir beaucoup de monde. On voit autour de nous de très belles choses. J'ai pas eu le temps de faire un grand tour du salon, mais les peu de voitures et de stands que j'ai vus sont d'une extrêmement bonne qualité. Et de plus en plus, aujourd'hui, on sait que la qualité de Rétromobile est croissante et les intervenants sont tous très intéressés au niveau national et au niveau international par ce salon et nous sommes fiers d'y participer et on le fera tant qu'on pourra le faire. Alors c'est un rendez-vous pour 2019 ? Absolument, c'est un rendez-vous pour 2019 et j'espère qu'on aura un peu moins de cloisons encore, qu'on aura pu agrandir notre stand pour pouvoir vous présenter encore plus de choses. Merci Thomas. Merci à vous. Et bon salon. Au revoir.